Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez en priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pourra être donné. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Pour trouver la faille dans la défense. Centre travaillé dans la surface. C'est dégagé, loin devant. Il prend sa chance. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Bon ballon dans la surface de réparation. Oui, bonne intervention de la défense. Il faut faire les bons choix. Oh, Luis Suarez. Il tente de la jouer dans l'espace. Allez, ça peut faire mal. Allez, de la tête! Quel timing dans l'interception. C'est joué long, c'est dangereux. Bien joué ça. Oh le bon ballon. Il n'est pas hors jeu. Il tente la tête. Coup de sifflet, hors jeu. Bon, le score est toujours nul et vierge. Fernandinho. Il choisit la profondeur. Donné à la perfection. Il voit sa passe interceptée. Oui, il va falloir dire que ça manquait de précision aussi. Il cherche son coéquipier. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. C'est joué long, attention. Le jeu repart vers la droite, donc ça va partir vite. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Dans la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Long ballon dans le sens du jeu. Ça passera sur le côté. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. C'est osé. Le débordement à droite. Il glisse le ballon en profondeur. Énorme occasion. Oh but, but pour le Paris Saint-Germain. Et ouverture du score pour le PSG. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Paris Saint-Germain qui a donc ouvert le score. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable maître d'œuvre. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. C'est vrai, mais tout peut aller si vite.
Ils devraient continuer à pratiquer leur jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. La passe dans la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Qui est le premier sur ce ballon? Il accélère côté droit. Il tente de la jouer dans l'espace. Soirée, la tête. C'est contré, il s'en sort bien. Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sous la ligne. C'est bien donné. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Fernandinho. Il joue dans l'espace. La frappe, attention! Et ça fait but! Le break est fait, 2 buts d'écart désormais. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Oh, très bon ballon. Oh, l'inspiration. Oh, quel bel arrêt. C'est un super arrêt. Fine save. Voilà une bonne occasion de contre. Oh, Luis Suarez pour trouver la faille dans la défense. Il est bien placé. Le bon dribble. Allez, c'est dangereux. Nouveau but dans ce match. 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Il joue bien le coup là, ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Et le doublé. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. La passe en retrait vers son défenseur. 2 buts en moins de 10 minutes, c'est quand même impressionnant. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Quelle fait du bien cette interception! Bonne intervention! Centre détourné. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Franchement, attendre aussi longtemps pour faire son premier changement, alors qu'on a 2 buts de retard, pour moi c'est incompréhensible. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est reparti, ils peuvent contrer. Bien servi. Oh, l'autre faut tirer là. Quel but! Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et voilà, il réalise le coup du chapeau. Et c'est mérité, il a été insaisissable. Insaisissable! C'est bon, ils maîtrisent complètement le match maintenant. Et encore une fois, ils sont solides. Neymar! Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Oui, il peut frapper là! Oh, ça part à droite!
progresse encore. Caissier, ça joue long vers l'avant. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Que retenez-vous de cette rencontre? C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis... Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel étoilé, des conditions météo parfaites pour vivre cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça et on va d'ailleurs vous communiquer dans un tout petit instant la liste des joueurs qui vont débuter cette rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Ça va vite. Bonne intervention, c'est récupéré. Caissier. Il cherche son coéquipier. Neymar. C'est joué long. Il reçoit le ballon. C'est centré. Et la tête? Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Torbinski. Caissier. Il peut tirer. La défense tient bon. On le contre, l'arme fatale. Va-t-il en profiter? Il est passé. Il faut frapper là. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Le centre dans la surface. Bon dégagement, bien joué. Il y a du mouvement. Il s'échappe le long de la ligne.
C'est Alexandro qui centre. Bon, elle me dit quelque chose, cette occasion. Attention, ce n'est pas le premier centre qui arrive dans la surface. Il va falloir qu'il règle ce problème. C'est dégagé, loin devant. C'est dégagé. Il centre encore. De la tête. Encore une nouvelle tête manquée. C'est encore raté, mais au moins il crée le danger par le centre. C'est bon signe. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Long ballon. Le bon dégagement. Et le ballon a franchi la ligne. C'est parti. Oh, la frappe. Oh, but. But pour le Paris Saint-Germain. Bien, ça fait 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il écarte le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Cherche un coéquipier dans l'axe. Attention. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. Ça va sûrement faire réfléchir à la défense. Pressez plus haut ou laissez les adversaires tirer de loin. Caissier. Le Paris Saint-Germain qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Neymar. Et le gardien qui s'en sort d'un rien. De la jouer dans l'espace et ce ballon vers ses attaquants. Il est tout seul. Il choisit de centrer. Ça panique un peu là, la pression est énorme. Oh, très bon ballon. Nouveau ballon dans la surface. Il ne se pose pas de questions. Le ballon sort du terrain. Voici un bon centre. Quelle détente! Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Le Paris Saint-Germain pousse pour Marc. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pour le moment. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. 1-0 au tableau d'affichage. Il y a encore 45 minutes à jouer. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Bien joué, ça. Oh, il espérait ce ballon. Chiellini. Cesc Fabregas. Suarez. C'est joué long, attention. Allez, ça peut faire mal. Pedro, le centre. Il dégage bien ce ballon. Torbinski qui cherche la profondeur. Faut que ça va partir vite. Un ballon intéressant. Qui est bien placé.
dans la surface. C'est dégagé, loin devant. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Suarez ! Il joue dans les... Neymar ! C'était bien joué, dommage. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. C'est osé. Oh, Luis Suarez, il joue en retrait. Pour trouver la faille dans la défense. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. La touche à venir. Il allonge dans le dos de la défense. Le drapeau ne s'est pas levé. C'est parfait, magnifique. Il est bien placé. Ça passe. La frappe. Oh, le gardien, magnifique. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. Oui, superbe action. Ça manque juste un peu de précision. Bon centre dans la surface. C'est dégagé. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. C'est reparti, ils peuvent contrer. Le bon dribble. Ça bouge, côté gauche. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Ils décident d'allonger le jeu. Luis Suarez. Oh, voici Neymar. Neymar. Centre dans la surface. Le bon dégagement. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Que c'est beau. L'aventure continue pour eux dans ce magnifique parcours. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps son avance, mais ils ont réussi.